Ayant vu notre voyage au lac Mistassini tomber à l'eau à cause des complications du coronavirus, nous nous sommes retournés vers notre plan B, un plan de dernière minute, qui était le réservoir Basse-Catogne. Logé confortablement au superbe pavillon de l'Orignal, c'était chacun notre première fois sur ce fameux plan d'eau. Accompagné de mon collègue Pierre, un pêcheur expérimenté, j'étais en bonne compagnie pour partir à la recherche du doré, du brochet et de la wananiche. Alors voici sans plus tarder, notre aventure Basse-Catogne. Bon visionnement! En cette journée d'expédition, le but est d'aller à l'autre bout complètement du réservoir et faire du camping sauvage sur une île perdue. Mais avant, on s'essaie une dernière fois notre spot à Wananiche. Ce matin, dès arrivé au spot, ça n'a pas été long qu'on a ferré une wananiche. Je pense qu'on va peut-être rester à Wananiche. Elle a fait un beau saut. Ah oui, plus belle que celle d'hier. Ouais. Là, encore perdu. Là, pourtant, on a bien agi. Et puis une autre wananiche perdue. Mal piqué. Ça, c'est pas de notre faute. Là. Il y a de l'action ce matin. Ça bouge. La wananiche. On va finir par en avoir une, je confirme. Ben, en fait, on l'a déjà fait. Oh, juste en avant. Il y a de la wananiche un matin, ça grouille. Avec mon petit fils, je fais une belle pêche. Oh oui. Après avoir vu plusieurs poissons sauter en surface, nous avons ferré une autre wananiche. Yes, un autre belle wananiche. Tu m'amèneras ça. Regarde ici, en arrière. Ok, t'es prêt? Elle s'en vient. Je suis même pas capable de l'ouvrir ton maudit filet. Laisse-les fermer, amène-les de main. Oh shit! Come on. À ce point-là, ça commençait à être très, très frustrant. Merde. Merde! Ok, un autre wananiche perdu. On vient de perdre une autre belle wananiche. Difficile. Au moins une action. Ça, c'est un petit River Hunt qui vient du coffre de mon père, des années 1950. C'était la compagnie Eddon qui faisait ça. Wow. Ouais. Une antiquité, quasiment. Ouais, des antiquités. J'ai son petit frère comme ça, juste d'une pièce. C'est la même chose, mais une pièce au lieu d'être... Mais ça, dans les années 50, là, c'est extrêmement à l'avance de son temps. Ça doit. Ça doit. Ça, c'est des lardes de toutes sortes. Oui, oui. Mais là, ce que je cherche... Nice. Solide. Tiens, montrer c'est quoi des cyclopes? Ah, je les ai pas ici. Ah, tiens, tiens, tiens. Ah, mon les coffre. Fameuses cyclopes. Mes fameuses cyclopes, parce que quand j'en ai une petite miniature jaune et. Ah, j'ai juste des moyennes. Ben, celle-là est quand même plus petite que mon autre, hein? Non, pas mal la même grosseur. Belle couleur pour la wawa, ça. Ouais, ça, c'est la belle couleur pour la wanani. Je garde, je l'ai en gros, en petit. Mesdames et messieurs, préparez-vous à voir toute une capture.
Fish on, baby. Fish on. Avec le medium light. Yes, yes, yes. All right. Et le combat va être infernal. 6 livres test. Medium light. Je prends mon temps. Elle a toujours pas sauté. Elle s'en va vers la gauche, vers ta ligne. Ça, c'est pas grave. Oh, je vais la rentrer dans la ligne. Parfait. Donc, on a du stock dans le bateau. Hein? Ouais. C'est un beau poisson. Oui, ça a l'air beau, mais de la manière que la. Oh! Oh! Wow! Oh shit! Hey, ça c'est une belle là. Oh my god! Oh my god! 6 leap test, medium light. Oh ouais, prends ton temps. Ouais. On va enlever les obstacles là. Oh my god, elle va sûrement sauter encore. Oui, 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 probable. Oh okay. My goodness. Hey, c'est une belle. Wow. On l'a travaillé, on le mérite. Ok, attention, attention. On le mérite. Ok. Je vais l'amener du côté gauche si possible. Oui. Ah, j'ai à peine capable de l'amener. Tiens, quand ça va être le temps, je vais être prêt. Ah, sur cette canne-là, c'est incroyable. Medium light. Wow. Wow, 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 wow. Prends ton temps. Ah, je peux pas la faire grand chose de plus. Ah, le stradier qui se fait travailler là. Wow. Je vais tourner en rond même pour la tenir toujours de ce côté-là. Là. Oh my god. Si je mets la pause arrière, je vais aller la chercher. Ah. Hey, on va rester un petit peu à Wananish. Je pense aujourd'hui. Monte. Reste à l'affût. On va même faire un petit C'est tellement intense! Oh my god! Je shake, je veux pas la perdre. C'est ma plus grosse moyenne de la vie. Là. Oh! Okay. Oh, 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 je te attention dis. Au fil. Là. Ouais. Il a pas, regarde, elle se dirige vers là. Étire un petit peu ton. C'est pas le monter? Ton ou... bras. Non, étire ton bras. Ouais, mais c'est parce que c'est une medium light, donc j'ai pas.
une passe en arrière au besoin. Laisse-la passer derrière. Tu veux pas monter le downrigger? Non, non, c'est trop... T'es sûr? On est trop tactique. Là. On a trop ça. Quel combat! Ouais, parce que c'est un peu un gros départ. Un peu passé. Oh my god! Oh non, elle s'est mêlée à la contrôle. Ouais. Oh, elle s'est mêlée à clôturer. Le suspense augmente encore plus, après que mon poisson se soit coincé dans l'autre ligne qui était encore à l'eau. J'avais pourtant dit à Pierre de lever cette ligne, mais il m'a pas écouté. On se retrouve dans une situation très délicate. Reste en dedans de moi. Je pense que mon fil est l'autre bord. Reste en dedans de moi. As-tu fait le tour au complet? Viens, viens dedans. Bon, ok. Ouais. Oh shit. Ok, laisse faire ça, laisse faire ça. On va focusser sur la... Sur la prendre à la pluie. Ouais, mais je vais essayer de la déjamer. Non, 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 non. On va se concentrer sur le pêche, Pierre. Elle est là. Sors la pluie. Elle est immense. Oui, ok. Oups. Je te l'amène. Let's go. Let's go! Yes! No way! Elle essaie de cracher! Hey, de la belle Oh my god! La belle one à Woo! Let's go! Hey, c'est... Let's go! C'est des livres, ça, là. Oh my god! Ça donne le voyage, juste Let's elle. Go! Oh my god! Ça valait le voyage, tellement, juste celle-là. Tellement. Oh my goodness! Oh, avec le pins de Yuzuri. Elle est sortie. Wow! Fais attention à plus au temps là. Gardez-moi la one anish, gardez ça! Wow, ma plus grosse one anish à vie, Basque-à-tongue. Wouh! Let's go! Un dernier regard, ma plus grosse one anish à vie. Quel départ pour cette aventure, cette expédition. Yes! Gardez ça! Wouh! Magnifique! Vraiment belle, là. Belle couleur. Yes! Let's go! Oh, qui dernier regard. Elle veut tourner dans l'eau. Elle est dans l'eau. Yes. Mais dans le bateau. Tiens! Elle est allée. Wouh! Let's go! Laisse le coronavirus. Ça va être yes! Top. Yes, man! On était en train de... Ben, durant mon combat infernal avec cette one anish, j'avais un petit doré qui était au bout de la ligne. On s'en est jamais rendu compte. Donc, en rendant le downrigger, on a marqué que ce petit doré-là était au bout. On met ça à l'eau. Bon, on a fini notre belle session à one anish maintenant. On s'en va de l'autre côté du Basque-à-tongue complètement. On en a pour une vingtaine de minutes. On va se trouver une place pour camper ce soir. Donc, restez à l'affût. Après environ 25 minutes à plein gaz, on s'est rendu de l'autre côté du réservoir où on est parti à la recherche d'une île pour y installer notre campement et aussi pour y passer la nuit. What?
On pensait avoir trouvé la bonne île, mais avec un niveau d'eau très bas, on voulait pas que le bateau reste coincé. On est toujours à la recherche d'un endroit. On va finir par trouver un accès. Et c'est ainsi qu'après une heure de recherche, nous avons trouvé cette petite île, bien aménagée, pour installer un campement. On a finalement trouvé une place. Nous avons attaché le bateau à deux endroits pour être sûr qu'il ne se déplace pas. On est set, buddy. On peut pas demander mieux. On est set. C'est top, top. Top. Parce que là, le vent ne peut pas en aucune façon. Exact. Le vent vient comme ça. On est prêt à installer notre campement. C'est la première fois que j'installe cette tente-là. C'est ma toute première tente à vie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Re-bienvenue à notre campement. Je vais vous donner un petit aperçu rapide. Comme je vous disais tantôt, ceci est ma première tente ever. C'est la Marmot Tungsten, une place. Puis j'adore. J'ai mon vestibule ici où j'y laisse mon backpack. À l'intérieur de ma tente, j'ai un petit matelas gonflable, lightweight, c'est un Nemo, le long wide. Puis j'ai mon sleeping bag ici, mon Teton. J'adore le setup. J'aimerais fermer la tente avant que les mouches rentrent. Puis c'est ici qu'on va camper cette nuit. Sur cette petite île. C'est formidable. Bon. De retour à la pêche. Pierre... a ferré quelque chose, pas de leader, on passe la brochette. On est de retour en action. Je sors ça le filet. Bon. Je sors ça. Pas mal tiré, mon ami. Oui, mon ami. Ah, il est super la gueule. Je devrais pas couper le fil. Mais c'est la merde. Oui, monsieur. Ha ha! On a la viande. Oh là, on a de quoi faire un autre. On avait gros brochet. On avait plus rien à manger, les gars, c'est pas de joke. Un des rares brochets du Basque-Atong. Rien d'énorme, mais ça va nous faire la viande pour ce soir. Oui, on va faire ça. Yes. Et puis c'est ainsi que se termine cette super journée remplie d'action. On retourne au campement, on se fait un petit feu, puis on s'endort. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Puis, restez à l'affût pour le prochain.